Salut à tous, c'est Manarab. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement à l'aéroport d'Incheon, à Séoul, sur le point d'embarquer dans mon avion pour me ramener à la maison. Ce que je vous propose par contre, c'est de revivre un petit peu mon voyage pour ceux qui l'auraient raté sur Twitter et sur Instagram. Et puis en bonus, vous aurez en plus une semaine inattendue dans un lieu assez incroyable. Alors attention, c'est parti! Le tournoi est terminé, regardez-moi ça, je suis sur la scène qui a accueilli ces SWC 2018 et avant qu'il la démonte ici au OGN Stadium, je vais en profiter pour faire une petite semaine inattendue évidemment. Alors attention, c'est parti. Ok, on est parti pour cette semaine, nous sommes sur la scène de l'OGN Stadium. On va commencer par faire un petit wish évidemment. Et ensuite, on ira invoquer les vélins. C'est le principe un petit peu des semaines inattendues, d'invoquer dans des endroits un petit peu singuliers. Et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus singulier que cette scène? On commence direct par 15 petits cristaux, évidemment. On va ensuite aller hop, invoquer directement. On aura 4 vélins. On a 123 vélins mystiques, quelques petits vélins élémentaires et on a 4 vélins de ces SWC 2018. J'ai choisi le pack Asia-Pacifique. Parce que l'idée là-dedans, ça serait d'avoir soit Amelia, soit Mewang, soit Ganymède. Vous les avez beaucoup vus lors du tournoi. Ce sont des monstres très efficaces en RTA, évidemment. Donc du coup, on les voit souvent. Pour le moment, il n'y a pas d'étincelle, c'est les vélins mythiques. Ah, la première, c'est Tetra, très bien. Allez, on va se dépêcher parce que évidemment, on n'a pas beaucoup de temps. Hop. La scène doit être démontée. Cette scène, vous la connaissez peut-être puisque elle a servi aujourd'hui pour la finale des SWC, mais habituellement, elle sert pour plein d'autres événements e-sport, hein, que ce soit de LOL ou de n'importe quel autre jeu. Deuxième étincelle de cette semaine, c'est parfait. Et on a tout de suite une petite hernée. C'est pas la première. Du coup, on va passer. Tiens, Mona, essaye avec ça, ça ira mieux. Et regarde, t'as vu ce que c'est? Tire. Et hop. Oh, t'avais pas vu? Waouh! Ah, moi non plus, je savais pas! Génial! Allez, bonne chance! Ah, merci, merci! Shen qui a fini à la troisième place, hein, à la troisième place.
juste au pied finalement du podium. Allez, troisième étincelle. Et boum, c'est un Chandra qui tombe. Ça porte chance pour moi, c'est un doublon. Mais ça veut quand même dire qu'il y a de bonnes vibes sur cette scène. Du coup, bah, à tout moment, un petit Ganymède, une petite Tiana, une petite Diana. Tout est possible, une petite Amelia, un petit Mei Wang. Et qui sait, il y a un Light and Dark, alors peut-être une petite Jenna. On verra bien, on se dépêche un petit peu évidemment. On va pas essayer de déranger trop longtemps. Hein. Un casse, très bien. On continue cette semaine inattendue. C'est quand même assez inattendu de pouvoir invoquer sur cette scène que, bah, voilà, que personnellement j'avais déjà vu dans plusieurs émissions. On est ici à Séoul dans l'Arena OGN. C'est quand même assez exceptionnel de pouvoir être à cet endroit et encore plus de pouvoir invoquer à cet endroit. Hein. Alors, est-ce qu'on arriverait à choper un petit quelque chose de plus? Là, il nous reste 69 vélins. On a fait comme tout ça gentiment presque la moitié de la semaine. On a déjà eu un AT5, c'est déjà assez exceptionnel. Hein. En partant de 120 vélins, on n'est pas censé en avoir, hein, statistiquement parlant. On verra bien. J'espère que le son de la semaine sera correct parce que, bah, évidemment, on fait ça, il y a du monde autour, hein, et je suis pas juste à côté de la caméra. On verra bien, écoutez. On verra bien ce que ça donne. Alors, aïe aïe aïe, ah si, voilà, une petite Chloé, très bien, il reste plus que 50 vélins mystiques, est-ce que ça va le faire, je ne sais pas, ah là là, j'aurais dû demander à Shen, et une petite chakram vent, j'aurais dû demander à Shen de m'ouvrir un vélin, viens Shen, eh. Je vais demander à toi et à DJP de venir m'ouvrir les vélins SWC. Oh. DJP, on a sa main. Bon là c'est les vélins mystiques, c'est pas très intéressant, hein, mais les vélins SWC, il y a peut-être moyen de choper quelque chose. I already get Chandra. But maybe on the SWC scroll you can. What do you want? I want Ganymede, I want Amelia or Mei Wang. Also, it's gonna be the Asia pack. Yeah, exactly. Yeah. I know, you too. Yeah. Now you do. Okay, I think it will be okay now. Yeah. Chandra new? No, it's a dupe. Oh. Yeah. Skill up for role. Oh, yeah. So savage. Shen so savage. Yeah, I hope they will do something for Raoul. Okay. I hope. Yeah, on the stage. It's unexpected summon. You got a surprise concert. Yeah, exactly. The good vibes of the tournament. I mean, it's a good tournament. Okay, there you go. Oh, no. You got me, Yuna, on the best. Yeah. I got Yuna, yeah. The guy should have. Okay, almost down with this. Okay. How many of the SWC? Four. Four. Nine. Yeah. Annie, are you lucky? Yeah. Yeah, that's right. She's lucky for Bastet. Yeah. Oh la la. Y'a plus d'étincelles. What happened? There's Amelia. Oh, I want Amelia. Do you have the mom? This is Amelia. Yeah. No. At most. Okay. I got one light down. Oh, yeah. Okay. Oh my god. One legendary. Then. Okay. Okay. SWC now. Is this where I go? Alright. So,
Edna? No. Amelia? Amelia, oh. Mewong, Ganymede. Here we go. Here we go. No. Okay, you got a second shot? I do? Yeah. Here we go. Oh, so trash. Sorry. No problem. Okay. Shen. Here's the French champion. Aye, aye, aye. The French champion? La the French Patricia. Monsters? No. Oh. Wow. Last chance. This guy. You think of someone. Ganymede! Pas du tout. Eh, hey, but it's cool for me. Oh, nice. Second Talia. The second nice. Sabrina. Nice. Yes, so I guess cool. I'm number one here. Yeah. Eh bien les amis, cette semaine est maintenant terminée. Finalement, on aura eu un doublon Chandra et très intéressant, une deuxième Sabrina que je vais m'empresser de monter pour faire une petite team à base de Shaina double Sabrina. Ça promet d'être assez intéressant en donjon. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis au revoir et à bientôt. Ciao.